sais ce que c'est, ça? Un couteau? Exactement. En fait, c'est un couteau, ouais. Mais en fait, c'est le premier couteau de la marque de couteau la plus connue au monde. Tu la connais, cette marque? Suisse? Exactement. Bravo, t'es le premier mec à me dire un couteau suisse. Parce que les Français disent toujours la Guyane ou au Pinel. Mais en réalité, le couteau le plus connu au monde, c'est le couteau suisse. Alors, tu vas me dire, ça ressemble pas à un couteau suisse, pas de tire-bouchon, pas de bouteille, pas de C'est cure-dent vrai. et rien. Pourtant, bien sûr, il y a une option, sinon ça serait pas un couteau suisse. L'option de celui-ci, c'est la fermeture automatique. Il suffit de compter. Une, deux, trois, pour voir qu'il se ferme tout seul. Okay. Tu sais, quand tu es Bien. magicien, faut jamais faire deux fois le même tour aux gens. Aujourd'hui, voilà, vu que je suis dans un magasin de magie, je me dis, ah, je vais le faire deux fois. Hein. Ok, tu es prêt? Allez. Si tu vois comment je le ferme, tu me dis stop et tu me dis comment je l'ai fermé, ou toi, d'accord? Prêt? On compte. Une, deux, trois. Est-ce que quelqu'un a vu comment je l'ai fermé? Oui. Comment? Avec le doigt à Ah, avec l'index. l'index, c'est dingue, la Ouais. première fois tu vois pas ça. Hein. J'ai même C'est pas vrai, vu. T'as même pas vu. Alors je te propose un truc, je vais tenter sans l'index. Est-ce que tu veux bien me tenir l'index? Ok, donc là toi, je peux pas le faire le tour. Ah là, c'est Hein, c'est sûr. sûr. Hein. Donc je vais essayer sans l'index. On va faire une, deux, trois. Et on voit que ça marche sans l'index. Tu veux savoir comment ça marche? Regarde. Je fais comme ça. Je compte 1, 2, et dans le 2 et demi, tu vois, à ce moment-là, j'avance mon avant-bras gauche comme ceci, et avec la main droite, je te fais un bras d'honneur et l'onde de choc le ferme. Et ça, tu ne le vois pas la première fois. Mais Et j'y des crois fois, pas. tu crois pas. Et des fois, je tourne aller boire un café et de revenir. Mais ça, pas tout le temps. Non, bon, bien sûr, c'est une fausse explication. Tu as bien compris qu'en fait, c'est pas ça. C'est mon père, hein, qui est magicien et qui m'a donné ce couteau quand j'avais 5 ans. Il m'a dit, Cédric, regarde bien. Si tu tiens le couteau comme ça et que tu fais ça, il se ferme. J'avais 5 ans. À 10 ans, je faisais le tour comme ça. Ah, l'amplitude était un petit Ah peu moins oui. grande. Hein. À 15 ans, c'était carrément plus qu'un espèce de soubresaut nerveux, c'était juste ça. Mais les gens disaient que je secouais la main. Alors je me suis dit, à 20 ans, je vais les arnaquer les gens, je vais le faire latéralement comme ça, tu vois, pour le fermer. Mais là, les mecs, ils voyaient encore le principe. Moi, je me suis dit, à 25, si je trouve pas la bonne solution, j'arrête ce tour. Et à 25, j'ai le déclic. Je me suis dit, si je compte une, deux, trois, pardon, une, deux, trois, il se ferme. Par contre, t'as une dernière question. S'il se ferme, peut-être qu'il. Il s'ouvre. Peut-être, ouais, on fait une, deux, trois, et on voit qu'il s'ouvre. Alors, j'imagine que tu penses que c'est du bois et de l'acier. Oui. Oui. Ben, c'est ni du bois ni de l'acier. C'est de la nanotechnologie. Tu sais ce que c'est que la nanotechnologie? Non. Non. En fait, c'est des petites particules quasiment grandes comme l'atome. Hein. Et en fait, tu peux programmer ces cellules. Et aujourd'hui, on les utilise pour les médicaments, pour te guérir. Mais on peut aussi l'utiliser dans les tours de magie. Alors, en fait, le bois est programmé pour se fermer au bout de 10 secondes. Bien entendu, il faut lui donner un ordre. Ce que tu vois pas aussi, c'est que j'appuie sur un petit bouton qui est un switch ici. J'appuie là-dessus. Et 10 secondes plus tard, tu as un temporisateur dans le bois. Et ça le ferme. Donc, 3, 2, 1, 0. Tu vois, ça se ferme tout seul. Tu peux vérifier si tu veux, quoi. On ressort quelque part. Voilà, Jenny, on va J'ai pas chercher. compris. Je comprends pas.